Eh bien, Siona, bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue sur la compagnie! Ah, vous avez vraiment envie de poser vos bagages, je vois! Attendez, attendez, messieurs, dames! Ne vous faites pas mal! Allez-y, vous pouvez y aller, hein! Vous pouvez y aller! C'est bon, tout le monde a posé! Vous n'êtes pas bon, pas nombreux pour aller à Genève, hein! Bon, je me présente, je suis le hack chouette chauffeur pour aujourd'hui, hein! Par contre, vous êtes un peu près du bus! Un petit peu compliqué pour vous contrôler, messieurs, dames! Monsieur Dame. Bonjour madame. Hello. Alors, oui, c'est ça madame, tout à fait, tout à fait. C'est bon pour moi. Allez, pouvez monter. Bonjour. Oui, oui, c'est bon madame. Vous pouvez y aller avec votre soeur, je vous ai vu hein, tout à l'heure. Oh le grand monsieur, comment il va? Salut Nick. Bonjour Nick. Oui, vous pouvez monter Nick, c'est parfait. Madame. Alors, madame, qui veut aller à Bordeaux? C'est pas ici, madame. Annie, c'est un nom. Eh oui, désolé, madame, il faut c'est un autre bus. C'est mon collègue, Zikmou, qui s'appelle. Monsieur le chapeau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Dans la classe, madame, bonjour. Salut, alors, si on en est là, salut. Allez, vous pouvez monter. Monsieur, votre jumeau est passé déjà. Lionel, c'est bon Lionel, tu peux monter. Bah c'est tout. Bon. Faut partir madame, hein. C'est pas le bon arrêt. Hein. Allez, bonne journée. C'est bon, c'est fermé. Messieurs, dames, tout le monde est bien installé. 2, 4, 6, 8, 9. Oh là là. On va pas gagner grand chose hein, dans la compagnie. Bon, je vous ai mis le trajet là, hein. Le mec qui parle comme à des enfants. Tête de vieille. Attendez, monsieur, pour les toilettes, attendez. Bonjour, bonjour, c'est gentil de dire bonjour au chauffeur. Ah, c'est vous le chapeau, d'accord, très bien. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu plus près. Vous êtes où? C'est vous. Quel t-shirt, monsieur? C'est quel t-shirt qui me parle? C'est vous là, la lumière. C'est vous qui voulez aller aux toilettes. Attendez qu'on soit parti, vous pourrez y aller. Dès qu'on part, vous pouvez aller aux toilettes. Je sens qu'il va être chiant celui-là. Monsieur, calmez-vous déjà, calmez-vous. Écoutez les annonces, s'il vous plaît. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Voilà, Internet, etc. Et ce jeu. Messieurs, dames, les toilettes sont disponibles. Ça y est, actuellement. Également, vous pouvez en servir dès maintenant. Pour le monsieur qui demandait tout à l'heure également. Le petit coin snacking. Alors, le café est chaud. Vous pourrez vous en servir. Faites attention quand même. Pendant le trajet, ça secoue, évidemment. Le wifi est accessible à tout le monde. Nous sommes en direction donc de Genève, en Suisse. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et je vous ai allumé les petites liseuses et les lumières dans le couloir. Messieurs, dames, c'est l'heure de partir. Alors, les ceintures de sécurité primordiales. Hein. Je compte sur vous. Bon voyage sur la Hack Company. Oh là 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 là. Là, y a les téléphones et tout, là. Tout pour déconcentrer le pilote. Ah. Elle est encore là, hein. Bordeaux, c'est non, madame! Non! Ah, y'en a, c'est des têtus, hein! Ah, c'est des têtus, hein! Peut-être m'arrêter là, jouer un bus derrière. Je vais peut-être m'arrêter là. Allez, on est parti! 12h47 arrivé. Waouh, quand je vois cette vue au fond là, ça donne bien envie, hein! Voilà. Non, non, vous êtes pas sur mes genoux, monsieur. Calmez-vous. Calmez-vous, vous savez que les toilettes peuvent servir de prison, hein, temporairement. Si vous embêtez trop le chauffeur. On a un petit trajet à faire, calmez-vous. Je sens que l'idée de vous amener en Suisse vous excite beaucoup, monsieur. Monsieur R. Non. En tout cas, très belle lunette rouge. Hein. Continuez comme ça. J'espère que t'es pas assis à côté de Rémi parce que. Il est turbulent, Rémi.
Rémi est fan de voyage. Des fois, il est dans le bus sur plusieurs étapes, tu ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas que j'aime le rouge, mais. On va même passer un petit peu au vert, les gars. Ah, merci. Allez, c'est parti! Du coup, je sais pas s'il y a une autoroute pour aller à Genève par Grenoble, on va le découvrir. Ça serait bien que ça soit un peu de national, mais j'y crois pas dans le jeu. Attendez, oh, je sais pas, je prends la droite. Voilà, on est au pied des montagnes, ça y est, là enfin. Ah, c'est stylé, hein. C'est pour ça aussi qu'on fait ce jeu, parce que voilà. On peut vraiment voyager. Oh non, ça en va de la montagne! Ah, il y a de l'autoroute, ouais. Il y a de l'autoroute. Ou du périph', je ne sais pas. Comment dire? Non, pas Lyon, Rémi. Toujours pas chez toi. Tant que tu seras vilain, je ne t'amènerai pas à Lyon. Petite question. Il n'y a pas de mode carrière sur le jeu. Ben, en fait, si, c'est ça le mode carrière. C'est ce que je fais, en fait. C'est tu sélectionnes toi-même tes... comment dire, tes voyages. Tu mets deux points, deux villes, et tu fais toi-même ton voyage. En fait, et à la fin, t'es évalué, mais il n'y a pas un vrai mode carrière. Monter sa société, dépenser, payer les péages, dépenser de l'argent dans le carburant, par exemple. Récupérer de l'argent quand tu avec les tickets payants des gens. Créer des liaisons... Entre villes, intercités ou des grands trajets, tout ça, il n'y a pas. C'est un mode carrière, mais libre, en fait. C'est un peu... Et en fait, le mode carrière, le seul truc, c'est que la carte est fermée au départ. Tu as un cercle et tu l'agrandis en te baladant et tu ouvres les villes. C'est un peu ça, le challenge. Et sinon, tu as le mode libre ou alors tout est ouvert sur la map et tu fais ce que tu veux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un mode carrière au rabais, quoi. Alors j'espère qu'ils vont l'agrémenter au fur et à mesure, s'ils en sont capables. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc on se promène, on dit des bêtises. Salut collègue, ça va? Hop, excuse-moi collègue, je t'ai fait peur, hein, pardon. Tu es auto-entrepreneur, c'est ça, je suis auto-entrepreneur, exactement. Avec la Agbus. Voilà, mais c'est quoi ça, ces usines nous avez nous là c'est Tchernobyl ou quoi? C'est comme sur PC, donc c'est exactement le même. Ils ont fait un portage exactement pareil sur PC, quoi. Et donc t'imagines, donc sur PC où c'est plus développé, plus beau et où ils ont la possibilité de plus se développer, bah ils l'ont pas développé, donc c'est sûr que sur console nous, on n'aura rien si vous avez rien sur PC, hein, malheureusement. Mais c'est dommage, quoi. Ça serait le petit truc. Un peu comme le bus simulator. On y reviendra au bus simulator. Ouais, si c'était aussi bien que la gestion de bus simulator de carrière, ça serait cool, quoi. C'est ça. Bon, je vois qu'on est d'accord. Du coup, ben voilà, on se fixe des challenges, on se fixe des endroits et on essaie d'ouvrir les villes, tout simplement. Comme ça, on décroche les trophées PlayStation aussi. Et voilà, on se le fait à la cool. De temps en temps, on vient s'amuser sur ce jeu. Alors, ça va Killarn, c'est bon
Rémi aux lunettes rouges, j'espère t'es pas assis à côté, attention. Il s'est un petit peu calmé, il a dû aller aux toilettes encore une fois, où son téléphone sonne. Faut que je regarde devant moi. Ok, 110. 100. Je suis à 50, moi. Je suis un danger public. T'as 110 dans un tunnel, la vache. On n'a pas le droit de doubler, normalement. Hein. Mais bon... Si je dois rester derrière les véhicules qui avancent pas... Hein. Excusez-moi, monsieur, je suis en Roumanie, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais, mais ils me font des pièges dans un tunnel, les gars, putain. J'ai arraché toute l'aile droite, là, putain, merde. Pff, on vend 9 tickets et je dois payer une aile droite. Putain, on va faire fouillou, hein, dans la Agbus, la team Agbus. Plus suis-je. Je suis président, directeur, trésorier et chauffeur en plus. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Mais combien il mesure ce... Ah, on peut se reposer là. Combien il mesure ce truc là? Ça me fait peur, moi. Alors, je peux pas trop lire là, parce que là, sinon je vais avoir un accident, je pense. J'attends de sortir. Messieurs, dames, si vous pouvez mettre vos téléphones sur vibreur, je serai très content. Je vous le remercie d'avance. Ils sont chiants avec leur sonnerie, là. Ah, ça y est, on est sorti. Combien il reste? 97 bornes. On est en France encore. Wouah, on est en plein milieu de montagne. Je fais ça. Mais allez sur la banquette, oui. Ah non, j'ai fait sur la banquette. Putain, mais c'est quoi ça? Ah! Vous avez... C'est bon, tout le monde est vivant. Ben, vous pouvez aller aux toilettes. Vous avez un robinet d'eau chaude et froide, monsieur. Si vous êtes renversé quelque chose sur votre pantalon. La Agbus a tout prévu. Il y a même du savon, monsieur. Ah, c'est monsieur R encore. Ah, faire attention à vous, monsieur. Hein. Vous êtes un bon client, mais... Commencez à me chauffer les oreilles un peu, là. Ils sont endormis dans le bus. Putain, celui-là. Vous êtes endormi de combien de temps, monsieur? Allez. Ça commence à sentir la Suisse, les amis. 55 bornes. Le G est resté dans la soute lui aussi. C'est pas possible, c'est quoi ces branquignoles? Je suis pas un chauffeur fou, s'il vous plaît, monsieur, respectez-moi. Vous avez accès au café, chocolat, thé, tout au fond du bus, monsieur. Alors c'est un petit bus aujourd'hui. Petit trajet, mais des fois sur le grand bus, vous avez vraiment beaucoup de choses à déguster, monsieur. Mais c'est plus cher le ticket, c'est normal. Rien n'est gratuit. Vous savez que ma compagnie fonctionne grâce aux dons. Grâce aux dons sur Twitch. Ah merde, des péages! Arrête de dire des conneries. Attends, c'est le péage ou la frontière? Ah, attendez! Attends, c'est quoi ce panneau là? On connaît pas. C'est la Suisse, ça? Ah, ça y est, c'est la Suisse! Attends, première fois de ma vie dans le jeu que je change de pays, les gars. Moi, ça me fait quelque chose, hein. Par contre, le panneau, il a un problème, on dirait. Alors, du coup... Ah, ça y est. Du coup, en Suisse, on roule comment sur l'autoroute? Parce qu'en Allemagne, on va être sur les autobahnes.
Poum! Avec le bus, on va le monter à 150. Hein. Alors, en urbain, 50. Or, 80, 100 et 120. Ok. 120. Et donc, c'est en vert, les autoroutes? Ah, ils ont des bornes oranges, c'est faux. Ah oui, on n'était pas en Suisse encore. Putain, les panneaux, ils ont des problèmes. Ça y est, nous sommes officiellement en Suisse. Kebab, non, pas encore, c'est pas prévu. Mais on sait jamais, dans le bus, tout peut se faire, monsieur R. S'il vous plaît, à la personne qui tousse, mettez votre masque, s'il vous plaît, madame. Nous sommes encore dans la pandémie, vous savez. Les chiffres montent, madame. Attention, Genève. Ausfahrt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ausfahrt. Oh là là, ah oui, en tout cas, c'est simple, les panneaux. Lausanne, Genève. Deux traits, noir et blanc. Ben ouais, pourquoi se faire chier? Pourquoi mettre de la couleur? Ça coûte si cher. Et enfin, c'est le lac, alors. Wouhou! Le lac Léman, les amis! Nous y sommes! Alors, par contre, ça, c'est un stop chez nous. Chez eux, c'est un CD de passage. Je sais pas comment ils font. Du coup, je vois que dalle. Ça le dira bien s'il y a un accident. C'est bon. Oh, c'est beau, les montagnes, là. Le lac et tout. Stylé. Genève. Là, on voyage. Là, on voyage, les gars, là. Il y a même des bateaux et tout. Gare Cornavin. Regardez les plaques suisses. Ah ouais, c'est bien, hein. Bien joué le jeu. Oh, regardez les petits personnages pour passer. Par contre, c'est vrai qu'ils ont toujours pas fait de perso extérieur. Hein. C'est bon. Je suppose. Ben voilà, ce petit voyage sera très bien passé. À part un accident. Découverte d'un premier tunnel. Découverte d'un lac. Découverte d'un pays. Découverte d'une frontière. Et les gars, d'une nouvelle police. Ça fait beaucoup de premières, hein. J'aurais dû mettre le ticket plus cher, t'in. Ah ben merci, écoutez, ça fait plaisir. Voilà, encore un qui va mettre une mauvaise note. Tac, messieurs, dames, vous êtes arrivés. Allez, en plus il pleut, super. Alors, est-ce qu'ils m'ont fait des vacheries? Il y a monsieur R qui était là, comme par hasard, il était assis là, pile pour aller aux toilettes, hein, quand même. C'est bien travaillé, hein. Bon, ça va, ils ont été respectueux. Messieurs, dames, je vous ouvre vite, vite la soute, hein. Allez, prenez vos bagages. Allez, au revoir. Il pleut, hein. Ah, je me mets à l'abri, moi. Ouais, vous prenez toujours la bonne place, je le sais, je le sais. Ah, vous m'avez déjà mis votre note, ben dis donc, ça fait plaisir. Allez, terminé. Ah, 202 km. Voilà, des beaux 10, 9 sur 9. T'as 9 passagers, quoi. C'est pas rentable. Ah merde, je suis arrivé à la bourre encore. Putain, faut que je roule plus vite. Hein.
que des 100%, annonces diffusées, code de la route, un seul petit accident, temps de travail respecté, temps de conduite respecté, contrôle radar, il n'y en a pas eu. Encore la distance de sécurité respectée, ça c'est vrai que je le fais pas. 98, 90, bon, c'est pas mal.